Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Mairie Jean Rabel doit travailler ensemble avec la direction départementale travaux publics, transport et communication dans l'idée pour continuer le travail et rénovation d'après un tweet président Jovenel Moïse publié. Travail ça doit faire pour capable récamper et scap figui commune Jean Rabel dans l'occasion 200 l'année anniversaire. Président Jovenel Moïse mandé pour établir un calendrier pour capable réaliser travail ça. Et puis, président de la République, là, Jovenel Moïse, visité plusieurs familles qui sinistrées après inondation qui fait dans la commune Jean Rabel. D'après un tweet, il publié, chef l'État a profité l'occasion pour chita parler à l'autorité ville Jean Rabel, dans l'objectif pour porter si pas bayo. Président Jovenel Moïse dit, il déjà passé instruction par le premier ministre, là, ministre intérieur collectivité territoriale, et ministre affaires sociales, là, pour porter aide par une soixantaine de familles qui victime d'inondations qui fait dégâts dans le département nord-ouest pays. Le bureau de communication présidentielle démenti parole qui a circulé sur les réseaux sociaux qui t'a fait quoi de l'eau manquer beauté président de la République là, Jovenel Moïse, pendant qu'il a traversé une rivière Cap Dessin dans le département nord-ouest. Le bureau de communication a précisé, président de la République là, t'a passé vacances avec famille dans Mall Saint-Nicolas pour période Pâques là. C'est dans le moment ça, sous base d'informations qui viennent joindre l'équipe président, chef l'État est obligé de déplacer pour porter secours. Il y a une série de compatriotes qui sont en difficulté pour traverser la rivière. Bureau communication présidentielle fait connaît, pas gain aucune machine, mat ni son patrouille dans le cortège président. Jean s'apparaît dans l'image qui a circulé sur Internet. Bureau communication palais national demande aux populations arrêter tête frette face à un laboratoire qui a créé faux informations pour mettre plus d'instabilité et puis la pérèse dans le pays. Et puis pendant le week-end passé, ministre. Ces travaux publics, transport, communication, Nader Joiseus visité une fois encore travail qu'a réalisé sur route Kafoujofla. Ministre Joiseus a regardé qui ça qui fait sur route là après réalisation carnaval national là dans ville Port-de-Paix. Réception de Joudan, Hervé Pierre pour détail. Visite ça a été occasion pour ministre TPTC Nader Joiseus. Founi j'ai regardé comment travail a avancé sous ton son route Kafoujof en Safoulea. Ministre Joiseus dit qu'il constate qu'il y a progrès qui fait dans le métier asphalte dans le bloc Maoz et l'autre zone qui tout près lieu sans oublier travail capra possible dans la deuxième zone côté déviation à réaliser. Nader Joiseus a profité visiter l'usine asphalte la Kilgomon pendant qu'il salue travail technicien direction départementale la Tibonite. Selon lui, cap fait un pile fort pour permettre le travail avancer. Guérison aujourd'hui, c'est réaliser 80 km pour ça, qui gagne plus de 6 de cardio et plus de 34 ouvrages d'art. Et par 80 km route, c'est pour un bagaille. C'est pour une simple affaire. Qui gagne plus là de 34, non, 44. 44. Et Kafoujof à la cuile a gagné 29 ouvrages. Et de la cuile à Bassin Bleu, gagne 29. Et me dit 44. Pour 44 km, il y a 44 ouvrages d'art. Kounia, pas oublier, c'est 80 km, il y a 36 km encore qui étaient de partie nord-ouest. Je vais parler ça pour partie la Tibonite. La partie nord-ouest, c'est Bassin Bleu avec Port de Paix. La donne encore, c'est pour mes affaires. C'est un chantier qui n'a pas jamais campé. Et je dis encore, visite ministre, encore, traduit encore. Nous ces gaz, les vins mettre dans la génératrice. Là. Et ça va nous plus fort, c'est chaque jour d'avancer. Avancé. Et comme on a constaté là, non, exactement dans l'usine là, et c'est camion qui va le charger en OB, qui va le mettre sous terrassement. Normalement, dans 44 là, nous avons 29 qui sortent de Gonaïves pour arriver. Et là, nous avons fait 20. Nous étions 9 seulement, et nous avons passage bisé pour nous faire tout. Et nous étions 15, et 15 ans, majorité, nous avons 9 là-dedans qui se bisent pour arriver Bassin Bleu. Ça veut dire, notre titre qui n'est pas trop long là, n'a pas tout. Tout de suite, le ministre TPTC a été rendu dans la commune Chansol pour observer comment le travail a déroulé sous chantier qui est en bas contrôle CNI, côté route presque fin asphalté.
libération en prise et traitement en prise, traitement couille de fondation est fait à 100%, traitement couille de base fait à 85% et ouvrage fait à 80% et couille de roulement fait jusqu'à 70%. Donc, forme de travail a avancé considérablement. Qu'on y a en tout, nous étions à peine, et si nous regardions, disons 11 et d'allô avec deux ponts. Et 11 d'allô, ça va se barricader fait dans l'espace de 2 mois. Et tout dépend des procédures qui va le faire nous faire plus que 2 mois. Parce que depuis que nous mobilisé, on a des moyens et le travail a fait rapidement. Dans la ville Port de Paix, le travail a avancé. Plus passé 8 rues qui étaient dans mauvais état, commencé à recevoir béton à caniveau. Suite à carnaval, il y a des travaux qui étaient dans le secteur engagé. Nous avons toute la qu'une ville là a gagné. Donc, un ensemble de rues qui a tenu dans la boulevard à rivière là, pour que lui-même permette que rue soit capable plus durable. Parce que sous qui était tout ça en la boue, et infiltration d'eau, en bas de etc. Donc, on y a un ensemble de rues ça a fait. Non seulement pour décongestionner la ville là, et sous garder rue mon foie que nous avons fait, permettre que la ville là, bon, l'autre entrée là-dedans. De façon que lorsque boulevard à rivière là, a bloqué, champs qui sont bel espace, mais lorsque tu sous champ à même vitesse, on a passé dans la rue Montfort là, et pour entrer Port de Paix qui vient une balle de entrée. Donc ce sont ensemble de rues qui continuent à faire, qui permettent que la population, en plus de carnaval là, jusqu'à présent, mais ça mouvement carnaval là qui était pour eux. Le gouvernement promet pour finir tout chantier sous route Kafoujof là, avant 2022. L'autre nouvelle, ministre TPTCA Nader Joiseus fait connaître centrale électrique cap construit dans la ville Port-de-Paix a inauguré dans le mois avril. Le ministre des Travaux publics, Transport, Communication a parlé comme ça pendant une visite week-end passé à sous chantier côté centrale ça a construit à Richardson Jourdan, Hervé Pierre pour détail. Travail génie civil bâtiment centrale électrique Port-de-Paix a fini. Matériel électromécanique pour permettre centrale la marcher et puis poteau ak fil cap gain pour connecter sur réseau a presque fini installé sous toute route qui mène dans centrale là technicien EDH a passé fil et puis mette poteau pour qu'on y a c'est d'autre pour technicien cap construit ministre BTC Nader Joiseus exprimer satisfaction pour façon dit di travail yo avancé la centrale là fini on y a ces réseaux ouais c'est d'autres infrastructures appliquées c'est d'autre là cap construit. C'est pour tout le monde qui a fait la boutique dans la zone. C'est tout le monde qui a fait avec vous, qui va faire des poids à l'intérieur et central. Barrière de l'invité, chaque fois qu'on là, on est capable d'avancer. Donc, je souhaite que ça arrive là, on vient là et tout le monde est central là, qui commence dans le mois octobre et puis jeudi, fin octobre bien sûr, jeudi, ça c'est fini. Sinon, c'est réseau. Pour comprendre, ce n'est pas seulement la centrale là qui permet de courant, il faut le réseau à transporter là. Et il y aurait fait totalement, ce n'est pas ce réseau à qui réhabiliter, il y aurait reconstruit notre réseau et pour capable aller chansol, pour aller porter des pères en safole, tout du nord, tout ça, et pour permettre de monter au jeune courant 24 sur 24. Technicien qui sous chantier a bas explication sur le travail qu'a réalisé qu'on y a côté plusieurs pylônes déjà installés pendant qu'il y a connecté fil sur le réseau. Pour le bâtiment central, là, nous avons quelques jours depuis que nous avons fini avec le travail. Nous avons annoncé les instances qui concernent dans l'EDH, tant que DMG et PIT qui ont des bagages transformateurs pour venir faire interconnexion au organe central. Là, par exemple, une basse tension et avec tableau de commande avec transformateur et puis tout pour aller sur GDBA et alimenter, interconnecter l'INA avec le central. Là. Donc, il y a une phase à nous, mais pour le bâtiment central, là, nous complètement fini. Et que nous avons deux équipes qui ont pris des points au point de semaine, ça, qui ont fait une interconnexion avec la tuyauterie pour alimentation et pas carburant avec le bâtiment central. L'équipe EDH qui est dans l'autre direction, hein, c'est des instances qui sont spécifiques pour ça. Et nous avons fait le travail, ça, nous avons fini une semaine ça, pour faire interconnexion. Et c'est une phase à nous, nous là. Et nous pas avancé à grand pas nous-mêmes. Dans la construction civile avec construction d'autoires, on a construit pour employer et nous avons avancé. Nous n'avons pas dit 15 jours, nous avons fini, mais nous avons travaillé vers un objectif comme ça. Responsable fait qu'on est une semaine qui a venu là, le moteur a commencé à marcher pendant que nous avons cassé rendez-vous avec la population dans le mois d'avril pour l'inauguration centrale là.
Pasteur Odalus Estimé, Wilmer Jean-Pierre, Steven Jérôme, Francisco Derival, c'est nos quatre mouns bandits à exam te kidnappé dans l'Estudio Gospel Créole, jeudi 1er avril 2021, Dikini 63, commune Kafou, qui jouent libération yo à soir dimanche 4 avril. C'est ma occasion 15 jours action de grâce qui t'a marqué premier l'année anniversaire Estrictissa. Gospel Créole te mette sous pied depuis 21 mars 2021 pour te prêcher l'évangile en ligne pendant COVID-19. Là. Dans l'occasion libération victime, Jocelyn Pierre et Michel Joseph te rencontré un proche otage. Il a présenté nous un reportage. C'est dans le bâtiment ça qui tout coulé avec l'église Adventiste Galahad, Dikini 63 dans la commune Kafou. Ravi ça y est rentré et kidnappé 4 personnes qui ont participé dans un service d'adoration qui tape diffusé sur réseau social yo. Après 3 nuits tout à jour passé en bas mes bandits yo, yo joué une libération yo à soir dimanche 4 avril là dans environ hiver côté sénat la joie famille yo te accueilli yo. Docteur Grégoire Figaro, yon proche victime yo a retracé événement en mars 2020 et te vinn gen confinement, toute l'église fermée, c'est-à-dire que ou pas gen moyen que en présentiel ou à l'église. Donc et nous venons développer on l'église virtuelle. Et c'est nous Adventistes, Gospel Creole Ministry, a présenté des services réguliers. Et le mercredi, le samedi après-midi, le vendredi soir, dans l'ouverture sabbat, etc. Donc nous avons un programme régulier. Et en effet, c'est nous avons fêté 1 an d'existence qui en mars 2021, côté pour nous célébrer. Nous disons qu'on a fait 15 jours d'action de grâce. Et dans 15 jours d'action de grâce, il y a 2 pasteurs intervenants. C'était des pasteurs pionniers, le pasteur Agui Fitzgerald, et avec le pasteur Odalus Estimé. Et bien, c'est là nous abordons la 2e semaine avec le pasteur Odalus Estimé, que dans jeudi soir, vers 9h, moins 2, moins 3, et que 3 mouns avec Zam fait irruption. Dans le studio, c'était comme ça que bagarre a été passé. Et grâce à Dieu, après trois nuits, il faut me dire que la nuit ça a été longue, toute journée ça a été très longue, 3 nuits. Et sous 4e nuit, hein, dans la soirée, c'était hier soir, vers 11h, c'était la grande fête pour nous accueillir 4 personnes qui sont très chers à nous-mêmes. Et dans Gospel Creole Ministry. Docteur Grégoire Figaro fait connaître, c'est après le fin bail l'agent, il joue une libération 4 personnes Gospel Creole Ministries, il a été kidnappé. Pour le remercier tout le monde qui était là prier pour yo dans un moment difficile ça. Il y a une rançon qui baise, c'est simple à dire, mais je pense que pour moi c'est jamais l'essentiel. L'essentiel c'est que 4 personnes s'est retourné. Ils n'ont pas été maltraités. Et il faut me dire que parce que tu es un peu prié à terre. Et nous profiter et moment ça tout pour nous remercier tout le monde, tout fanatique, tout supporter Gospel Creole Ministry, tout le monde qui t'a participé, qui t'a supporté nous, et qui t'a prié. Et m'assister grand pile monde qui t'a demandé que Zamio y a bébé. Zamio t'es bébé vraiment. Si un peu mon quoi, c'est insécurité généralisée qui la cause à kidnapping ça, docteur Figaro pas écarté possibilité à. Toutefois, li quoi, travail prêcher l'évangile, gospel créole a fait, capable yon nan conséquence, ça qui passe ya. Dans samedi, qui était avant, nous avons un programme spécial nous fait avec témoignage. Vous attendez comment moun yo a témoigné. C'est à travers le bon. Cap témoigné, moun cap dit que ah mon cher, m'te down en pile, m'te fini net, m'te senti la vie m'a fini. Il y a moun même qui témoigne yo te gen corona même. Et que c'est comme si était au bord de la mort, sur le lit de mort, et que l'air commence à regarder en dans la caillou. Il y a regardé émission Gospel Creole, il a regardé 21 jours de prière, 40 jours de prière. Yo senti remonter moralement,
Donc, nous venons comprendre que l'ennemi n'a pas joué avec vous. Parce que faut le montrer que sans vous faire, moi-même pas d'accord. Parce que vous montrez que Jésus qui a baillé la vie. La vie, c'est parti ça qui a passé sur la terre. Nous sommes tous passagers sur cette terre. Bon, on vit de l'au-delà. Donc, moun sa qui était en proie au doute sur le lit de mort, cloué son lit de mort, et cap revivre qu'on y a par rapport à bon Dieu qui utilisait Gospel Creole Ministry, nous venons comprendre que pour qui ça et nous attaquer aussi fortement. Docteur Figaro précisé, doit y a un bon genre de décision qui prend pour résoudre le problème kidnapping là dans le pays. La société a dû apprendre un principe moral et puis faire quoi dans le travail pour capable réussir vie sans yo pas faire mauvais bagaille pendant li invité yo remettre Jésus la vie yo si yo vle gagner l'autre demain. Premier ministre Joseph Jout fait connaître le gouvernement à travail pour établir sécurité dans le pays. Chef gouvernement dit qu'il regrette Zach assassinat qui fait sous plusieurs policiers dans le cadre d'opération qui t'a mené mois passé dans le village de Dieu sous Bicentenaire. Premier ministre Joseph Jout réagit tout sous dossier Vite Téo pour informer la population. Opération DTT Vitio qui c'est un moyen pour garantir sécurité dans le pays a continué. Pendant l'Issalier, j'ai fait la police à chaque citoyen qui respectait le principe ça. Marie Dieudonne Hertel. La non-policière n'a pas de servir en quelle cause politique. L'amour, c'est l'amour. Il faut que nous, tous les côtés de l'IA, nous respections la vie. Dans l'heure où nous mourons pour ça, chiffonnez-nous pour ça. Ce point, parce que l'organe de mon cap mourir, ce n'est pas malade d'être malade, si ça va du moyen, ou commencer perdu dans l'essence mon, ou commencer perdu en pile bagaille. La police, les autorités judiciaires, journalistes qui représentent le quatrième pouvoir, nous avons pile travail pour nous faire dans la société. Hein? Parce que selon tout ça nous avons pour nous faire, former, informer, distraire, avait dit, nous obligés de travailler tous sur le changement de comportement au sein de la population haïtienne. Nous avons pris une décision de traiter machinio parce que c'était une dernière mesure que le gouvernement n'a pas pris pour nous réduire considérablement cas de kidnapping qu'a fait dans le pays. Ma remercie la partie saine de la population qui bat même temps que la police parle avec eux, tout le monde détecté. Sauf machine qui a droit d'être, c'est machine officielle, corps diplomatique, avec corps consulaire. Et malgré tout, nous avons beaucoup de chapeaux à un pile machine officielle qui détente. Je me la donne, je suis entré dans la catégorie, monde qui doit détente parce que je n'ai pas de plaque officielle. C'est moi qui officiel, ce n'est pas plaque là. Il y a un monde tout, le corps consulaire, qui détente la machine de tout. Il y a un corps diplomatique qui détecte tout. Il y a une machine qui n'est pas fine clé. On a compris ça. Pour les gens qui ont une machine que vous commandez, une machine pépé, il y a là-dedans une vie qui vient tout être. La police, c'est lui qu'on est qui disposition la prend pour le vérifier. Il y a un pile de tout qui est fâché parce que nous avons dit détecter la machine. Mais je suis désolé. Ou content, population, alors ou fâché, population content ou. On y a c'est pour choisir. Entre fâché, leur fâché. Alors que vite ou clair, je veux dire, population content ou, surtout ces démocrates, la majorité a décidé ou obligé pour beau, pour pas de choix. Des consignes ont été passées à la police nationale
au ministre de la Justice pour nous faire que mesures soient respectées, je me suppose respectées sur tout le territoire république. Il faut que nous quittions à côté intérêt personnel, en garder intérêt commun, en garder mon pays. C'est seul intérêt pays d'Haïti qui doit animer chaque chrétien de bonne volonté. Moi-même, je suis campé là pour moi réaffirmer détermination, mais ceci jusqu'à la dernière minute que je suis Premier ministre. Gouvernement contre la sécurité, je connais la grosse population à la content. Si reste qui implique dans l'insécurité, il n'est pas content. Mais c'est sa forme, pas de travail avant. Je travaille avec toute la population, même Jean-Président, supposé à l'écoute de la population, pour faire sa population au moins des faits, moi-même, je travaille. Je accompagne la police là pour lutter contre les terroristes, contre les gangs armés, contre l'insécurité. Tout membre comité pilotage observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie à Ronnie Desroches lance un appel à toute catégorie dans société pour travail dans intérêt pays. Responsable initiative société civile, Ronnie Desroches annoncé dans niveau OCID, il y a travail pour principe démocratique au Chita dans toute institution pays. Rachel Saint-Fort, Michel Joseph, bien extrait. Jodi a gen 4.4 milyon de moun ki an insekurite alimenter, ki pa manje a lor fin, ki gen pil difikulte pou yo kapab manje. E genyen yon augmentation, nou kapab di, eksponansyel de la delinkans e de la kriminalite nan peyi. Alors, fasa a situasyon sa, OCID li fè de bagay jodi a. À court terme, n'a lancé un appel by tout pays, by toute catégorie sociale dans le pays. Et à long terme, nous parlons ça nous gagne comme objectif et comme programme. Premièrement, population. Nous disons comme ça que l'IPA doit résigner, l'IPA doit accepter. Situation ça que nous vivons là, parce que situation pas normale, son situation qui est inacceptable. C'est vrai, nous, la population, hein, l'y a manifesté, ça veut dire que l'y a pas résigné, l'y a bougé. Mais il faut que les leaders, que ce soit les leaders de la société civile, les leaders politiques, eh bien, ils viennent avec un plan d'action réaliste. Il y a un plan d'action qui est capable de faire des résultats. Et non pas un plan d'action qui peut faire mouvement nul. Exécutif là, nous dit, c'est pour chercher de façon sincère un accord politique. Ce n'est pas pour l'en bluff, ce n'est pas pour l'en manipuler les gens, mais c'est pour le capable de viser l'intérêt général. Parce que nous avons besoin de modifier CEPA pour que toute sensibilité politique capable de retrouver la donne. Afin que nous soyons capables de gagner des élections qui sont acceptables, qui ne peuvent pas contester. Nous avons besoin tout pour le processus de révision constitutionnelle là, gagner une commission qui représente les différentes tendances politiques, de telle sorte que toute voix capable de tendre dans le pays. Et le nous garder opposition, hein, nous penser que opposition, il doit pour comprendre que démocratie lui demande dialogue, démocratie lui demande échange d'arguments, démocratie lui demande une atmosphère de sérénité. Lui demander un dialogue côté que nous sommes capables de respecter les règles du débat. Opposition doit pour comprendre que si nous voulons instaurer un régime démocratique, il faut
privilégier le dialogue et le débat et non pas l'insurrection et non pas, n'est-ce pas, pression violente. Le membre comité pilotage observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie Abdonel Doudou présenté bilan un programme formation réalisé sur socialisation politique qui fait à partir neuf modules. Responsable a expliqué programme ça qui démarré 26 octobre 2021 bout non mois mars là côté gain plus passé 800 monde qui t'ai bénéficié formation en ligne ça yon extrêmement micro Rachel Sefort avec Michel Joseph. Blocage qui gagne dans le processus de transition démocratique là en Haïti, nous analyser différents problèmes qui gagnent, nous avons décidé de commencer à engager un effort pour faire évoluer la culture politique. Culture politique non, qui est caractérisée par passivité citoyenne et citoyenne, et le plus souvent, bagarre qui a passé dans le pays n'a pas concerné, qui est caractérisée par l'intolérance, par la violence, ou incapacité de débattre, de discuter ensemble, ça t'est poussé aussi à mettre en place un programme de formation en socialisation politique et débat argumenté. Le programme ça a été démarré le 26 octobre 2020 et l'est fini officiellement le 10 mars. Il était fait en ligne avec une plateforme que nous avons concevoir pour ça sur le site internet aussi dedans. Et nous avons supporté également par des visioconférences et que nous avons fait et par des forums WhatsApp pour compenser certaines difficultés qui gagne pour nous accéder en tout temps et à contenu numérique. Le programme ça te gagne la donne 9 modules qui te permettent que participants maîtrisent plus ou moins la question politique, comprendre les processus politiques, comprendre la nécessité de participation politique des jeunes, participation politique des femmes, mais aussi comprendre l'importance et les éléments, les principes clés élémentaires de l'argumentation, de la rhétorique, et comprendre aussi l'importance et les techniques élémentaires du débat contradictoire. Nous pensons que, et naturellement, et nous avons gagné des modules qui ont rapport avec monitoring parlement, monitoring élection, ou bien observation électorale, technique d'enquête, qui c'est des champs d'expertise de l'OCID, et que nous pensons qu'il est important pour citoyennes et citoyens qui veulent suivre le processus politique en Haïti. Programme ça a été un accueil vraiment intéressant. Nous avons envisagé au début 800 participants environ et nous avons gagné un chiffre pour très exact de 1245 inscrits dans le programme. Dans 1245 inscrits ça, et la majorité nous sommes capables de comprendre, nous sommes dans le département de l'Ouest, dans le bloc de l'Ouest là. Et ensuite le Nord, ensuite le Sud, ça suit presque profil démographique différents départements. Yo. Mais 10 départements ont été représentés. Il y a un bagage qui te fait un plaisir, c'est que le département qui te gagne moins inscrit, c'est le département des NIP, et il te gagne 32 inscrits quand même. Centre hospitalier Peignier, inauguré lundi 5 avril 2021, une unité dialyse médicalisée dans l'hôpital. Centre dialyse pral servi patient qui souffrit insuffisance rénale qui habitait dans une zone lente avec l'autre localité qui proche. Marie Dedon Hertelou, Michel Joseph, pour détail. Mettez sous service interne, laboratoire, des salles d'intervention chirurgicale et plusieurs chambres hospitalisation, unité dialysa pral servi pour bay soins à habitants Peignier et zone qui sous côté. Directeur général centre hospitalier Peignier, Jean-Mirto Julien, souligné 6 nouveaux équipements dialysa yo pral permettre yo faciliter service dialysa dans le pays a et puis permettre patients qui souffrent insuffisance rénale yo joindre bon soin. Beaucoup de gens ne savent pas le calvaire que montrent les patients atteints d'insuffisance rénale et qui nécessitent, à cause de ce diagnostic, des sessions de dialyse 3 fois par semaine pendant tout le reste de leur vie. Et il n'y a pas beaucoup de ces équipements qui sont installés en Haïti. Avant notre arrivée, nous en avions compté 46 à peu près, 49 pour être plus précis. Avec les 6 que nous ajoutons, ça va faire 57.
c'est loin de suffire aux besoins. D'autant plus que les insuffisances rénales surviennent partout dans le pays, comme complication du diabète, entre autres. Et le diabète est très répandu chez nous, de plus en plus. Vous imaginez aisément pourquoi il est important d'avoir accès à l'hémodialyse lorsque vous en avez besoin. Parce que sans cette hémodialyse, le sang s'empoisonne et si vous ne pouvez pas détoxifier le sang par l'hémodialyse, vous mourrez. Toujours dans l'idée pour garantir accès à soins santé à la population, hein? Directeur général Santlan a annoncé qu'il y a l'autre service tant que soins intensifs pour tout le monde prématuré, soins pour le monde qui fait AVC, unité physiothérapie qui est disponible dans l'institution dans le jour qui est venu. Nous sommes aussi à la recherche d'un accord pour inclure le programme de lutte contre le VIH dans notre offre de service. Nous travaillons aussi sur le programme de santé scolaire, parce que nous sommes très préoccupés par la santé des enfants, qui sont l'espoir de notre pays. Nous avons aussi sur la planche un programme de récupération nutritionnelle. La malnutrition est rampante et les conditions de vie de nos populations en ce moment ne font pas penser que la malnutrition va reculer. On parle même de famine dans certaines zones du pays. Ici, à Pernier, nous surveillons les signes de malnutrition. Et nous nous arrangeons pour que tous les enfants chez lesquels nous aurons diagnostiqué les signes préliminaires d'insuffisance nutritionnelle, d'hyponutrition ou de malnutrition, soit récupéré avant de développer une forme plus grave. On s'abîme dans le centre hospitalier Peignier, renouveler l'engagement pour rendre accessible soins santé et spécialement soins hygiéniques et puis permettre aux zones de jouir service sans exception. Assistance légale à femmes qui victimes de violences, c'est sous thème ça responsable Alliance Femmes pour un nouvel Haïti réalisé un forum c'est même passé. Représentant plusieurs organisations femmes participer non activité ça. C'était occasion pour responsable Alliance Femmes pour un nouvel Haïti mettre bout dans un projet sur amélioration service assistance légale pour femmes actives qui victimes de violences. John Herbie Cassius. Activité ça arrive réaliser c'est dans cadre projet amélioration des services assistance légale aux femmes et filles victimes de violences. C'est un projet et du programme Spotlight qui a exécuté par trois organisations. C'est Alliance des femmes pour une nouvelle Haïti, c'est un consortium qui gagne fondation Essence L et SOS Droits Humains. Donc nous déjà à dans zone d'intervention, nous, c'est dans le département du Sud, de la Grandance et du Nord-Est, l'Ouest et du Nord-Est. Donc nous avons déjà réalisé des activités dans différents départements SAIO et nous avons gagné 2 jours de formation que nous avons fait pour ensemble d'organisations de femmes. Et si nous prenons par exemple dans l'Ouest, on a renforcé et on a donné des formations à 10 organisations. Et dans les autres départements, on a touché environ 21 organisations de femmes. Donc, l'activité ça arrive faite, c'est garder comment nous renforcer l'organisation qui a travaillé sur la question de violence qui a fait sous forme active dans différents départements pour être capable d'avoir un meilleur service, assistance légale et pour accompagner les victimes pour arriver à joindre justice les victimes de violence. Organisation Rassemblement Madame Sarah, dans tête collée avec le programme Nations Unies pour le développement, organisé samedi 3 avril, là, une journée réflexion. Activité sa fête, dans 4 journées, mouvement national femmes haïtiennes. Pour marquer jour ça, responsable organisé un atelier de travail sur différents sujets, tant que coronavirus. Présidente Ramsa, Jocelyne Jean-Louis, avec même Ramsa, Médissa Pierre, a plaidé en faveur bon gens accompagnement pour implication mesdames dans le développement société. À Falon Delphin, Maxo Joseph, yon extrait.
nous en Haïti. Message pour journée aujourd'hui, qui c'est 3 avril, côté en 1980, c'est la première fois haïtienne qui était pour la rue, qui était tombée, qui en pile bagage. Voix ont été passées pour être gagné droit. Message pour aujourd'hui, c'est pour Mado Salayo encadré. C'est pour Mado Salayo encadré. C'est ça nous besoin. Alors nous remarquons. Nous avons plusieurs organisations qui ensemble avec nous. Nous pensons que c'est un manque de leadership au niveau ni femmes avec garçons qui rendent mesdames. Parce que si 46 ans pour nous dégainer, c'est par rapport à nous avons obligé tant de régimes qui étaient là, qui c'est régime du Alex qui était là, qui te mettent museau dans la bouche, mesdames, pas de mesdames, prenez la parole, mesdames, pas de droit de vote, mesdames, pas de accès avec rien. Nous sommes obligés de régime ça, écarter pour nous-mêmes, pour nous établir force sur le territoire. Et je vous dis là, nous gagnons ça en branle avec monsieur autour. Nous ne pouvons pas faire des cadences avec monsieur avec femme, garçon avec femme. Mais nous connaissons et faiblesse, mesdames, qui est basée sur manque de leadership, monsieur, qui ne peut pas avoir avec vous, et manque d'autonomisation, qui c'est manque de moyens, de financement, moyens d'éducation, alphabétisation, tout ça, parce que nous ne pouvons pas être femmes dans un reculé, dans un capital pays qui n'est pas formé. Ça vient rendre un handicap dans le secteur panouan qui fait travail panouan plus, je dis. Alors, Guillaume, non. Voilà. Merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babé à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.